être attentif quand on est dans une patrouille, quand on effectue une patrouille à Bruxelles? Bah en fait, principalement, on va utiliser une espèce de vision périphérique, donc on doit être attentif évidemment à 360 degrés et en 3D, donc aux fenêtres des bâtiments et aux gens qui viennent aussi bien de loin et que de près. Donc on doit faire attention à plusieurs plans, je vais dire. Et surtout, le plus important, c'est de vérifier tout ce qui est absence de normalité ou alors présence d'anormalité. Donc, par exemple, une rue où il y a souvent beaucoup de gens, on doit quand même être faire plus attention, je vais dire, quand là, il n'y a personne, ou inversement, comme quand on parle plutôt de colis piégés ou ce genre de trucs, en tout cas suspect dans un premier temps, c'est quelque chose considéré comme anormal. Et donc, voilà, c'est principalement à ça qu'on doit faire attention. Et donc ici, votre patrouille, elle s'est concentrée essentiellement sur les rues les plus fréquentées ici de Bruxelles ou... Ici, c'est une patrouille essentiellement axée sur les endroits plus piétonniers et fort fréquentés par le public. Et donc, maintenant, il y a différentes patrouilles plus ciblées sur la mobilisation au niveau des véhicules, etc. Mais ici, c'est principalement évidemment les piétons et les zones commerçantes qu'on fait. Et le plus compliqué, justement, dans une patrouille où il y a du monde comme ça, c'est quoi ? Le plus compliqué, c'est de savoir faire attention évidemment aux gens qui sont très proches de vous, qui passent même entre vous et tout. Donc, il faut savoir garder sa bulle de sécurité, je vais dire. Mais en plus de ça, il faut savoir ne pas être... embêté justement par les gens près et pouvoir garder sa vision plus large et ne pas rester centré sur les 5 mètres devant vous, mais savoir toujours continuer votre observation complète. Merci.